Des couleurs flashy, des motifs plus originaux les uns que les autres. Le masque, dispositif sanitaire, prend des allures d'objets tendance. Depuis le déconfinement, dans cette mercerie, il y en a pour tous les goûts. Ça devient presque un accessoire de mode, c'est-à-dire que les dames à la sortie, ça leur tenue, les enfants, c'est quelque chose qu'ils veulent mettre en avant, ils veulent des tissus rigolos. Une mode qui se vérifie dans le centre-ville de Périgueux où le port du masque est obligatoire. Par souci écologique et économique, les masques en tissu foisonnent et c'est aussi une affaire de style. Comme je me suis fait des masques en tissu, je fais attention qu'ils soient à peu près assortis à ma tenue, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis assortie avec, mais il y a des fois plus ou moins. Je pense que c'est un accessoire qui va être permanent, donc autant avoir quelque chose de sympathique. Alors, pour se démarquer, particuliers, collectivités et entreprises font appel à ces couturières qui réalisent en fonction des envies des masques homologués, composés à 80% de coton et 20% de polyester. Il a commandé des mauves, des verts, pastilles, des rouges, voilà, il commande de tout, ben de tout. Ça n'arrête pas, c'est des grosses, des petites quantités, mais ça part, ça c'est vrai. Au mois de juillet, on n'a rien fait, il n'y avait pas. Et là, c'est reparti. Une augmentation des commandes expliquée par l'approche de la rentrée scolaire où le masque sera obligatoire pour les enfants de plus de 11 ans. Reste à savoir s'ils la sortiront à leur cartable.